intro à la Beyoncé, tu sais, dans son clip All the Single Ladies. Bah ça te fait rire sans que tu l'aies vu. Les amis, aujourd'hui nous sommes sur Bigfoot. Comme son nom l'indique, on va devoir chasser Grand Pied. Grand Pied, c'est une légende bien sûr urbaine. C'est un homme tout simplement qui chose du 58. Je vous mets des petites photos fake ou pas fake, on sait pas, du Bigfoot. C'est vraiment une vraie légende et il y a des gens qui ont créé un jeu dans lequel on va essayer nous-mêmes de le trouver. Mika, est-ce que tu crois au Bigfoot? Moi je crois au Babyfoot. Et tu sais quoi, dans tous les cas on s'en va les couilles. Allez, on joue. Tout a commencé au printemps 2016. Le journal Jasper a signalé la disparition d'un groupe de touristes dans le parc national. Dans le rapport de police, il est question d'un simple accident. Mais ça implique aussi l'une des plus grandes légendes qu'on appelle Bigfoot ou Sasquatch. Donc c'est mieux Bigfoot. Moi perso, les seules fois où je dis Sasquatch, c'est quand je rejoins des potes au squash. Je fais Sasquatch ou quoi? Mika? Allô? Alors, attends, là, je crois à Mika, tu vois... Non, arrête de tout looter. Écoute-moi, espèce d'insolent. Putain, mais le mec, il a... J'ai vu un Bigfoot. Mais c'est moi. Je sais que j'ai des grands pieds, mais tu sais ce qu'on dit. Grands pieds, grosses... J'aurais peut-être dû prendre quelqu'un d'autre que Mika pour aller chasser, quand même. Alors, regarde, derrière, mec, qui c'est Bigfoot, vieux. Derrière, tu le vois. On dirait plus un gorille qu'un Bigfoot. C'est un gorille qui a des grands pieds, mec, Bigfoot. On va pas se mytho. On a des pièges, on va devoir positionner des pièges. On a des caméras, on va devoir positionner des caméras. Tu comprends ce que je te dis? Caméra. Prends les caméras, j'ai pris les munitions. Bon, de toute façon, tu vas me suivre. Allez, vas-y, j'ouvre le... je vais me mener le pas. Donc, nous, on est là. Plus haut, il y a une sorte de champ. Si je suis Bigfoot, perso, mec, je vais dans le champ, tu vois. Pas toi? Mais carrément. J'ai une idée pour la caméra, je propose qu'on en mette une sur le tronc. Ah, on peut pas, putain, on peut pas les mettre dans l'eau. On va en mettre une là, je pense déjà. Attends, écoute. Quoi? C'est l'appel de la Bigfoot femelle. Non, ça marche pas. Attends, mec, on va mettre un piège. The moi je tryhard, hein. Moi je veux vraiment qu'on le plume le cul à ce Bigfoot. Je vais mettre un piège là et on va mettre de la viande dessus, regarde. Hop là! C'est malin ou pas? Attends, là il y a des. On peut faire un truc avec des branches. Ah, c'est pour cacher les pièges! Putain, mais ce jeu est tellement bien fait. Alors attends, comment je fais pour mettre les feuilles? Non, est-ce que tu penses qu'il faut pas mettre le. Ah oh! C'est lui! Oh, je me suis pris le piège parce qu'il a gueulé, j'ai eu peur! Je suis piégé! Mec, il a gueulé, il est là-bas, viens! Et j'envoie une chandelle! Attends, non, mec, sans déconner, il va nous prendre par surprise, il va nous enculer. Viens avec moi. Sommet de la montagne, on aura une meilleure visibilité. Ah, oh, je peux mettre une caméra si tu veux ici. Vas-y. Eh bah non, on peut pas, allez. Un très bon jeu vidéo, achetez-le. Bon, viens, on va à la caravane, on pose les deux pièges et ensuite on dort, ok? Dans le même lit, bien sûr. Ah d'accord. Hop, et hop. Ok, premier piège mis, mec. Okay, et pareil, bien, on va mettre un piège, un steak et il me faut une branche. Hop, on est bien. Le soleil se couche, Mika. Le soleil se couche. Attends, je vais faire un feu d'artifice pour qu'il vienne. Ouais, viens, regarde, on s'amuse de ouf. C'est le 14 juillet. Viens, Bigfoot, viens t'amuser. Mec, la nuit est tombée. Bigfoot va pas tarder à se montrer. Tu penses qu'il va se faire sucer le sang par Voldemort? Chut, parle pas. Écoute, sois attentif. Fils de pute! C'était un corbeau. Ah, on a des infos sur Bigfoot, mec. Ils ont un très bon odorat. Du coup, ils arrivent à sentir quand quelqu'un est blessé. Ok. Bon, mec, c'est quoi? On fait un vlog en pleine forêt? On fait un track Bigfoot là? Non, mais sans déconner, putain. Attends. Oh, il est où? Oh, le fils de pute! Il est derrière. Il est où? Je sais pas, j'ai peur. Attends, je le traque attraper, avec mes lunettes. On m'appelle Splinter Cell. Il s'est fait attraper. C'est un piège, on l'a attrapé. C'est un piège. Attends, c'est là-bas. Merde, c'est pas cela. C'est au bord du lac, celui au bord du lac. Non, regarde, il était là. Il s'est fait attraper sur celui-là. Il est pas loin, mec. Il est pas loin de nous. Je vais remettre un piège du coup. Remets-le au même endroit. Comme ça, s'il est bien con, ça va marcher. Regarde, il a perdu un peu d'HP. Mais je sais qu'il a perdu un peu d'HP. Il saigne. Il scelle le salaud. Ah, j'ai peur. Mais comment il nous a agressé? Il t'a fait mal? Il m'a fait mal, mon bébé. Il m'a blessé, bébé, il m'a heurté. Mec, comment il nous a rushé dessus? Par contre, on en parle des 18 balles de fusil à pompe qui lui ont fait 0 dégâts ou pas? Notre pièce a fait autant de dégâts que 14 balles de fusil à pompe. C'est abusé. On est dans le champ de la quenouille. Ah, tu veux ces balles quenouilles, Bigfoot? Mais ça, tu veux? Par contre, tu sais que si il t'attaque là, on est super. Ah, on est mort, là, on est foutu. Parce que lui, je pense qu'avec ses grands pieds, ça lui fait des palmes. Hein. Et y'a une maison là, mec. C'est peut-être sa maison, c'est sa cabane, tu penses? Attends, genre Bigfoot, il construit une cabane comme ça, c'est parfaite. Putain, mais on va jamais le retrouver, quoi. Non, mais c'est lui qui va nous retrouver plus souvent qu'on va le trouver, je pense. Franchement, y'a moyen. Tout à l'heure, tu sais quoi, si on le revoit, mec, je te jure, je lui tire dans les yeux le flair. Y'a des balles qui... Oh. Il est où, ce fils de pute? C'est pas fait toucher par un piège, plutôt? Si! Je sais pas quel numéro est proche, le 3. Vas-y, le 3, go. Et je parle pas du salon de jeux vidéo! Ah mais attends, il y a une tête de mort, regarde, sur la carte. C'est à dire que... Je sais pas, mais c'est pas rassurant. Vas-y, on va sur la tête de mort. On va sur la tête de mort. Oh, c'est un mec. C'est un mec. Non, Jason. Vas-y, sors le couteau et on en fait des steaks et on attire Bigfoot. Putain, le mec est mort. Bigfoot est passé par là. T'as une caméra pour le prendre en photo? Vas-y, je le prends. Vas-y, tweet-le. Vas-y, mets-toi à côté. Vas-y, attends, vas-y, je fais une dog face. Merci, vieux. Putain, là c'est relou, là. Faudrait qu'on le retrouve. Non, c'est quoi?
ça vient de là-bas. Viens avec moi, ça vient de là-bas, viens avec moi. Ah, il est peut-être au camp. Il est au camp. Il s'est fait attraper au camp. Fonce. On va te brûler, enculé. T'es mort. Il doit être vers là. Il a crié, c'est l'un des pièges qu'il y a là, mec, c'est sûr. C'est celui-là. Je le reprends. Vas-y, go cabane, on va checker un petit peu les cams là. On n'arrive pas à le trouver, ce con. Ah, mais attends, tu peux l'utiliser. Ah, mais tu peux utiliser et tourner, mec, avec les caméras, c'est abusé. Quoi? Comment as-tu osé toucher un cheveu de mon bébé? Ils font des potas! J'ai mal à la gorge, tellement j'ai peur! Oh le bâtard, il nous a fait un coucou quoi! Attends, vas-y, bah tu sais quoi, je vais regarder les caméras, ça a l'air de l'énerver. Je le vois pas. Il est pas autour de nous. Ça donne rien, on va devoir y aller, Mika. Le soleil se lève. Non, t'es sérieux? Bon, le jour se lève, Mika, je crois qu'on a raté notre track.